Aïe. Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mass TV, la chaîne du Japapé du Bérin. Ouais, je suis tombé sur un live là où Fatou disait à Kimi que elle n'aime pas le Njansan. Oui, elle n'aime pas le Njansan. Donc, vous comprenez un peu. Elle ne sait pas si c'était balle réelle ou bien balle perdue. Mais elle a dit qu'elle n'aime pas le Njansan. Et je la comprends, oui. Parce qu'affaire de Kento là, c'est pas souvent très beau, hein. Sur les femmes là, c'est pas souvent très beau. Soyons sincères. C'est quoi l'histoire de Kento là, Fanta Coca? C'est quoi là? Comme Sabine Dié, c'est quoi? Il y a aussi eu un live là qu'on a vu. Qu'on a vu un live là où Kim était parti demander des excuses à Lolo Beauté là. On a vu les Kento comme ça, mais je ne sais pas si elle a pu enlever ça, hein, parce que c'était vraiment Kimi, la pauvre. Non, le Kento là, ce n'était pas présentable. Depuis là, on n'a plus vu ça. Bon, on ne sait pas, hein, où c'est que, bon, où c'est encore là, où est cache, bon, on ne sait pas. Mais en fait, les Kento là, vous les femmes là, il faut souvent apprendre à ranger ça, hein, ce n'est pas très attirant. Cherchez à garder votre teint naturel pour éviter les histoires de Kento là. Ouais, Fatou est là comme ça, elle n'est pas belle. Elle n'est pas jolie. C'est comme ça, gardez le teint naturel. C'est comme ça. Vous pouvez utiliser les crèmes peut-être pour humidifier la peau, bon, hydrater la peau. C'est tout. Mais le produit éclaircissant là, attention. C'est pas bien. Pourquoi? On est la seule race qui aime les produits éclaircissants. Pourquoi on est la seule race qui aime ça? Pourquoi? On veut s'éclaircir comme les blancs pour être comme les blancs. Pourquoi les blancs ne partent pas aussi se noircir pour être comme nous? Ils passent seulement se bronzer au soleil, là, oui, mais ça, ouais, temporaire. Ils se bronzent au soleil, là, après, c'est fini. Quand l'hiver vient, ça, elle revient blanche. En été, par là, se bronze un peu, là, oui. Ouh, elle devient un peu marron, un peu un jaune, là, oui. Après, quand l'hiver vient, là, c'est parti. Ou bien quand l'été est fini, tu vois comment le bronzage, là, commence à finir petit à petit, ça finit petit à petit, ça finit. C'est comme ça. Elle recouvre sa peau blanche. C'est comme ça, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, on veut changer la peau, hein, de façon, de manière permanente. Ce n'est pas comme si on veut. Non, on veut seulement permanente. On ne veut plus être noir. On ne veut plus être noir. Le noir, c'est laid, n'est-ce pas? Regardez Fatou, c'est l'exemple. La reine de l'ébène, c'est l'exemple. Regardez la beauté. Regardez Myriam. Attention. Faut seulement savoir soigner sa peau, ne pas avoir les taches, les boutons et tout, et tout, et tout. Mais ton teint naturel reste le meilleur teint. J'ai tenu à mettre cette vidéo aussi parce que sensibiliser aussi certaines personnes. Hein, je sais que ça entre ici, ça sort ici, là. On va faire comment? Mais on doit parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous laisse avec la vidéo de Fatou et Kimi. On se parle à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bisous et hasta pronto. Il fait tes jolis teints et tout ça. Même si quand tu es blanc, tu vas être. Tout type de teint, c'est juste pour embellir la peau, rendre ta peau, ton teint plus lumineux, en fait, c'est ça. Ouais. Mais pas qu'y aller là-bas, tu mets des pommades pour mettre blanc. Après, tu viens, tu me dis, je vais te mettre le noir là. Je suis là avec les C'est gens qui sont ça. naturels là. Les teints naturels. Elle était naturelle, claire au métisso. Et il Teints parle pour les gens qui naturels. veulent blanchir, devenir transparente là. Je suis Non. pas dedans. Je suis Les gens pas qui veulent dedans. Ça garder. m'énerve même. Ça m'énerve même. Les filles qui Kimi, veulent devenir bleues jusqu'à transparente là. Ah. porte-toi Oui, bien, je vais te Fatou. laisser avec Merci Kimi. beaucoup, Ça fait Fatou. plaisir. Merci, Merci bisous, beaucoup. bisous. Bisous, Fatou. On dit quoi, la team? On dit quoi? On dit quoi? Bonsoir, bonsoir. Une musique.